Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va très 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 bien. Je suis accompagné. Je suis en compagnie de Luan versus Mario. Bonsoir, mon cher Luan. Hello. Ah, ça m'arrête net. Ah. Bon, oui, bonsoir, comment ça va? Ah, bah écoute, ça va super, et toi, mon cher Luan? Ah, ça va. Ça déguste de très bonnes crêpes, hein. Ouais, Luan est un grand flemmard et du coup il a décidé de manger ici avec nous, voilà. Dis-moi, quelle arme as-tu pris, toi, pour la mission que nous allons faire? D'ailleurs, nous allons parler de la mission juste après, mais d'abord, cher Luan, quelle arme as-tu... J'ai pris un R97, je sais pas, j'ai pris le premier, j'ai vu le prix qui me semblait, on va dire, raisonnable, donc j'en ai profité. Et j'ai pris quelques munitions également. Moi, normalement, j'ai pris l'arme, oui. C54 SMG, qui est une sorte de fusil d'assaut. Toi, du coup, tu as pris le R97? Tout à fait. Donc, tu as pris un shotgun, un fusil à pompe, visiblement. Très bien. Et du coup, bah, nous allons faire des missions de type chasse à l'homme. Ouais, Manhunt, c'est ça, hein, c'est chasse à l'homme à peu près. Du coup, mon cher Luan, je vais t'inviter à aller sur ton menu de quête Contract Manager, donc F1. Tout à fait. Bounty Hunter. Alors. Ah, mais il faut faire partie d'une guilde, donc on ne peut pas. Ah. Mais, nous pouvons voir un petit peu les armes, les munitions, les trucs qu'il y a. Et, mais au moins, on a des armes au cas où s'il y a des trucs à faire. Est-ce que tu veux faire des missions en particulier? Je ne pense pas. Ce serait peut-être sympa de se déplacer un peu, c'est tout ce que je demande. Okay, parce que je vois maintenance, donc bon. Hein. Comment ça, maintenance? Il y a un type de mission, c'est maintenance, bon. Ah, tu as une mission maintenance. Est-ce que c'est Collection, ouais, and Disposal Scrap Metal? C'est ça, mais je pense qu'on va pas beaucoup bouger, donc bah, c'est en bien. En fait, j'ai beaucoup de missions, moi, pour les delivery, pour les livraisons. Ouais. La famine pour 15 000, ligne family local delivery route, bah, c'est toutes les mêmes de toute façon. la toute première, je sais pas si tu en as autant que moi. Très bien. Alors, en delivery, j'en ai qu'une seule et c'est Link Family Seeking New Contractor. Thinking, new contractor. Ah, mais je ne l'ai pas. Tout à fait. Mais après, est-ce que c'est possible? Ah oui, alors oui, dans personnage, j'en ai un peu plus, en effet, mais vraiment en général. Je vois pas la différence. Parce que on peut faire des missions personnelles. Pardon. Après, le truc qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait... là, j'ai quand même une mission à 15 000, pour 15 000 crédits, mais c'est faire beaucoup de trucs, en fait. Mm-hmm. En fait, il y a beaucoup de trucs à aller chercher et à livrer. Est-ce que tu veux faire cette mission avec moi, même si tu vas rien gagner? Je suis en train de voir si on peut vraiment pas avoir de mission commune là. Bah, ça peut être ça peut être intéressant, mais c'est vrai que moi, si je peux pas faire grand chose, c'est compliqué. Vu que c'était pas partagé fait. Et accepted. Ouais, bon, c'est plus le truc bounty. Est-ce que on est bien en groupe? Oui. Oui. Tracker permit. Rocket Meryl à l'anxiété. Oups. Alors attends. Ouais, c'est les débuts des vidéos Star Citizen, ne vous inquiétez oui, pas. Oui, tout à fait. Voilà, c'est comme ça à chaque fois. Salvage. Mercenary. Au pire. Alors normalement, de ce que je lis. Quand on accepte une mission, juste après, on a un bouton share qui apparaît, je ne sais pas où, dans l'écran. Et ça permet de partager la mission aux membres de son groupe. Ah, alors du coup, vu que je suis le...
ça. Non, si je fais ça. Ah, cher. Ah, ouais, ok. On va faire une mission de livraison, alors. Très bien, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une mission? Normalement, j'aurai une petite notif. Une petite mission pas vraiment chiante, parce que là, en fait, on a 5 packages pour 15 000 boules. On a 5 packages. Mm-hmm. Mais, en fait, ça va être lourd. Ou bien, j'ai accepté une mission. On peut trouver et appréhender Meryl Odyssey Alumni. Je ne sais pas qui c'est, mais j'accepte. Est-ce qu'on a un lieu, au moins? On dirait que non. On dirait que c'est chez nous. En vrai, on va faire une petite mission de package pour voir si ça marche. Petite mission livraison, voilà. Pour 3000 boules, on va faire ça, tous les deux. On va faire ça. Là, j'ai appuyé sur share. Ok. Alors, comment que ça marche? Donc là, j'ai fait track. Ah, ok. Oui, vite, faut que j'enlève le truc. Hop là. Press to accept. Left bracket to accept. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Oups. Merde. Non, je veux faire F12. Je veux désactiver le chat. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux refaire share? Ou parce que tu as eu un message particulier? Parce que j'en sais rien si je t'ai rejoint. Bah, normalement. Faut que j'appuie sur quelque chose gauche. Mais à clic gauche longtemps, bon. Et si tu vas dans tes missions, t'as pas genre accepté, non? Je vais voir. Mais j'ai un grand message, on va dire, qui s'affiche en mode appuyer sur left bracket to accept ou sur right bracket to decline. Si seulement je sais ce que c'est, je vais regarder dans les touches au pire. Voilà, ça va être ça la soirée, hein, littéralement pour nous. On va y arriver. Les touches. K-Band. Oula, ça en fait les touches. Pardon. On va y arriver, hein. C'est une question de temps, ne vous inquiétez pas. Tout à fait. On va y arriver. Et du coup, où est cette quête? Enfin, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Sur Daimar. Pickup package, ah oui. Ok. Est-ce que tu peux retenter le share, hein? Je vais essayer des petites touches. Faut juste que je quitte ça. Bits back. Paf. Accepted. Share. Ok. Share. J'ai tout fait pour aller à gauche. Share. Il doit y avoir un bouton troué, mais c'est vrai que c'est... En plus, le jeu est 100% en anglais, donc ça aide pas trop à la compréhension globale. Oui, j'avoue que c'est quand même assez bizarre. Keybinding. On foot. Force respawn, tac, chat. Ah! Je crois savoir. Oh! Les parenthèses? Pourquoi pas, mais vas-y. Envoie-moi la. Oh, attends. Ouais, attends, je vais. Peut-être les parenthèses. Je viens de voir ça sur le truc. Après, vu que c'est clavier américain, je sais pas si c'est la même chose du coup. Good purchase. Je t'ai envoyé. Ouais. C'est ça? Non. Ok. Bon. Je suis en train d'appuyer sur tous les boutons. Ne panique pas.
Je panique. Ah, alors attends. Pardon. Donc il y a la touche entrée. Donc, là, là où il y a les deux petits points, peut-être, à côté du P. On pourrait essayer, mais il me faut la notif. J'arrive. Merci. Les deux petits points. Non. Left bracket. Je ne sais pas. Là, je ne vois pas. C'est quoi? Alors. Pour accepter une invitation, si c'est bien ça que tu demandes, appuie sur le. Pour des. Ok, j'ai la réponse. Ok, c'est quoi? Refait cher. Le petit chapeau, tu vois. Ah. Ce qui paraît. Mais. Et $ pour décliner. Après, ça date d'il y a quand même 4 ans, donc peut-être que. Là, j'ai refait cher. Ça ne change pas grand chose. Non, c'est pas ça. Passionnant ce début de vidéo, en tout cas, messieurs dames. Ouais, passionnant. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Oui, voilà. Ah. C'est des choses qui arrivent surtout en. Surtout avec Star Citizen. Oui, voilà. Continue sur Google. Bon, au moins, comme ça, dès l'instant que je vois la touche, ça va nous servir. Donc, vaut mieux trouver maintenant. Ouais. Au moins, c'est fait. Ouais. J'allais dire, déjà je te propose qu'on aille vers le spatioport, mais ouais, non, c'est vu que t'es sur Google. Oh, tu peux tenter de me réinviter, s'il te plaît. On va y arriver. Je vais te réinviter. Alors, tu es là. Console manager accepted. Cher. Ah! J'ai accepté, c'est bon, j'ai réussi. C'était, tu vois, à côté du P, t'as le petit chapeau et encore à droite, t'as un signe dollar. Oui. Voilà, et en gros, le petit chapeau, c'est pour accepter le signe dollar, c'est pour refuser. Donc, à gauche, oui, à droite, non. Ok. Merci, Internet. Nous pouvons y aller. Collection package on Daimar. Hop là, et ben, je te propose qu'on aille au spatioport. Est-ce que tu veux qu'on. Qu'on prenne. Déjà, je veux essayer de bouger. Oui. Est-ce que tu veux qu'on prenne un vaisseau, plusieurs vaisseaux? Tu veux qu'on fasse quelque chose? Je ne sais pas du tout en vrai. Est-ce que tu veux piloter un vaisseau? En vrai, je propose qu'on aille tous les deux en un premier vaisseau en un premier temps et après on fera d'autres missions. On aura chacun notre vaisseau si tu veux. Ça me va. Mais là, pour ça. Cette mission, qu'on parte voilà, avec un vaisseau. Je sais pas si tu vas vouloir le piloter. Je serais curieux d'essayer, oui. Ok. Ça se trouve, c'est la même chose, ou ça se trouve, c'est absolument pas la même chose. On verra bien. Hein. Faudra juste faire attention à la mort. C'est parce ça. Que, oui, bah. Dans l'épisode précédent, j'ai mouru. Et ce fut un peu long. J'ai fini avec une tenue de personne hospitalisée. À l'hôpital, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait, quoi. J'ai dû racheter pas mal d'équipements, ce qui nous a fait perdre un peu d'argent. Enfin, pour moi. Donc, oui. C'est pour ça qu'on va faire quelques petites missions. C'est ça. Là, du coup, on va faire quelques missions, histoire d'avoir de l'argent pour, au cas où, se refaire du stuff. Pour moi, l'objectif, ça va être très clairement de me faire un maximum d'argent pour avoir un très gros vaisseau.
Ouais, c'est vrai que dès l'instant, pour avoir au moins un vaisseau pour deux, ça serait très sympa. Ouais, un vaisseau pour deux, au moins, ça serait déjà ça. Au moins, et c'est ça. D'ailleurs, si vous avez des conseils à donner sur le jeu, n'hésitez vraiment pas à nous les donner. Voilà, petite chose pour vous. Ouais, tout à fait. Alors que je viens de... Ok. tu vois le karma quand t'ouvres une crêpe chocolat, là. Je sais pas comment décrire ça. Le petit embout qui te permet d'ouvrir le sachet. Il a décidé de se déchirer cet embout. Ah, je dis plutôt en longueur. Et là, vraiment, c'est pile exactement le trait. Ouf. Et là, il reste, genre, je sais pas, peut-être 1,5 cm qui n'a pas encore été enlevé. Donc, je vais faire très attention et utiliser ce 1,5 cm comme si c'est le meilleur 1,5 cm de ma vie. Eh ben, va falloir se dépêcher parce que... Je parle de crêpes, oui. Ok. La sortie est à gauche ou à droite? Vu le nombre d'FPS que j'ai, je préfère me préparer. C'est à gauche. T'en fais pas, Luan, c'est droit devant. Dès que les portes seront ouvertes. Voilà, première fois dans cette zone, ça a fait mal. Je confirme. Voilà. Il arrive. C'est quoi? C'est toi qui vas choisir le vaisseau. Bah, de toute façon, je suis là. Avec peu d'FPS, mais je suis là. Ça me rassure pas quand tu me dis ça. Ah là. Souvent, ça va mieux quand on commence à aller au hangar, etc. Bah, c'est vrai que comme vaisseau, on a vu le tien et on a vu le mien. Bah, je pense qu'on sera obligé de prendre la version en commun pour être à deux. En fait. Ouais, c'est ça. Oula. Je sais pas trop où je suis, mais le jeu a décidé de frisouiller. Auguste, hello Spaceport. Tu me vois là? Oula. Partons d'ici vite. Ça rame un peu, mais c'est pas grave. On y est. Mm-hmm. Donc là, 3 devant. Pardon. Ouais, comme vous pouvez le voir, je suis toujours un peu malade, hein. Comme pour la dernière vidéo. C'est bizarre parce que pour Detroit Become Human, j'étais pas malade. Alors que les vidéos sont sorties il y a quelques jours. De toute façon, là, cette semaine, au niveau de la chaîne, là, c'est science-fiction, très clairement. On aime la SF. Tout à fait. Prends une bouteille. Mais c'est bien la SF. Oh! Tu vas boire une bouteille qui était par terre. Bah attends. Je retire mon casque. Je vais boire un coup. Attends, je suis curieux de voir si mon véhicule, littéralement, mon vaisseau, est complètement... Ah, destroyed. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Avec un petit flashback là. Tout à fait. Ah, je ne peux pas le... Je vais le laisser destroyed. Je ne peux pas le boire, ça veut dire qu'il est déjà vide. Aïe. On prend le tien ou on prend le mien? On prend le tien. Enfin, vu qu'on a le même modèle, hein. C'est parti, je vais prendre l'autre mien alors. Parce que l'autre, le premier mien est totalement détruit. C'est écrit destroyed. Tiens, déjà, je vais le ramener à Horizon. C'est marqué, Horizon, destroyed. Et on va le retirer. Tu vois comme moi, hangar 01. Hangar 01. Tout à fait. Là, c'est juste, de toute façon, les ascenseurs. Moi, je te suis. Là, c'est toi qui va nous diriger cette fois. Tout à fait. Donc normalement... Voilà, notre petit vaisseau. C'était ton vaisseau, celui-là aussi. Eh oui, en effet. Voilà. Le Drake Cutter. Magnifique. Je conduis ou tu conduis? Mais c'est comme déjà, tu je veux. Déjà, je vais essayer de te comprendre.
C'est ici. Est-ce qu'on peut entrer par les côtés? Moi, je regarde un peu s'il y a vraiment d'autres entrées. Je me balade un peu. On ne peut pas rentrer par l'avant. Si tu veux conduire, c'est comme tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais... Je suis curieux d'essayer. Pas de soucis. Alors... Bonjour, la maison. Oh, un siège qui m'attend. Il m'attend pas mal. Au revoir. Bonjour. Oh, 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 waouh. Eh ouais. Là, du coup, c'est moi qui ai la place de l'enfant en arrière. Tout à fait. Donc, évidemment, on regarde les rétros. Oh putain, c'est tout vert. C'était tout jaune dans l'autre vaisseau. Oh non, il a fermé. Hop là. Donc, est-ce qu'on va se cracher? C'est fermé derrière? Comment? Oui, normalement. C'est fermé, tout va bien? Normalement, oui. Très bien. Je pense que je demande l'autorisation de partir. Je pense que je devrais peut-être m'asseoir, m'allonger, faire quelque chose. Très certainement. Horizon de service. Fais Alt-N pour ça peut-être. Je sais plus lequel c'est pour l'autorisation. Ok, c'est le service. Attention, la demande a été envoyée. La demande a été acceptée avec succès. Nous pouvons y aller. Et c'est parti. On va dans l'espace. Je vais m'asseoir. Lie down. Je vais littéralement me coucher. Holy shit. Ok, je me remets plus jamais en mode de VF. Ouais, t'es couché? Enfin, je me mets plus jamais. Ouais, je me suis couché, littéralement. Très bien. Eh ben, c'est mardi. Mode de VF, troisième personne, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Là, je ne vais pas te cacher, je vais pas te tenter de sortir ou quoi. Donc là, littéralement, ma vie est entre tes mains. Mon stuff aussi. Tout à fait, c'est vrai. Allez hop, je monte un peu, bon pas trop. Donc voilà, là ce qu'on est en train de faire du coup c'est une petite mission voilà de livraison, histoire de déjà mieux se refamiliariser avec le jeu. Oula, et, 1 million de kilomètres, je ne pensais pas. 1 million de kilomètres, c'est juste à 63 000. Non, c'était un autre truc. Ah, ouais, c'était autre chose. Alors, regardons. Donc, Daimar. Et arrêt. Je prends ça, je me mets ma petite route histoire de. On est dans l'espace. De voir où nous allons. Tout à fait, enfin, on monte petit à petit. Ah non. Ouais, mon cher Daimar. Ah, ça, c'est stressant de. de voir tout en vert. Vraiment, c'était un bon petit jaune dans l'autre. Je me suis habitué. Eh ben, écoute. Attends. Je vais me rasseoir. Je vais me rasseoir. Ouais, rassis-toi. Je m'assois. Tu peux passer en hyperespace. Tout à fait. J'essaie juste d'avoir la calibration qui ne veut pas trop s'enclencher. Si c'était pas encore fait, allez, la calibration. Voilà. N'hésitez pas. C'est gratuit, ça vous coûte rien. S'il vous plaît. On perd beaucoup d'abonnés. Alors, pourquoi la calibration ne veut pas? Je dis ça, mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai même pas regardé mes stats depuis un moment. C'est parce qu'ici, on fait pas ça pour les stats. On fait ça pour l'argent. Est-ce qu'on est passé dans l'espace? Toujours pas. J'essaie d'avoir la calibration que j'ai du mal à obtenir. Allez, s'il te plaît. Je suis bien placé. Bon, je vais monter un peu. N'oublie pas la molette pour accélérer ou décélérer. Tout, ouais. Je suis à fond. Je crois que mon personnage vient de se lever tout seul. Je me rassois. Mais oui, faudra se renseigner combien vaut les vaisseaux pour être à plusieurs, etc. Bon, parce que ce vaisseau, c'est vraiment... Ça se voit que c'est pour une personne, c'est écrit, de toute façon. Oui. Oula.
surprise, oui. Voilà. Bon, est-ce que c'est mieux? Pendant ce temps-là, moi, je vais en profiter pour regarder un petit peu la map avec vous, messieurs, dames, histoire de savoir où on va. Et où on est. Donc là, on est sur... Crusader, voilà, je cherchais le nom. Et on est là. Et du coup, Luan essaye de nous sortir de cette géante gazeuse, histoire qu'on ait le meilleur... Tout à fait. Le meilleur angle possible pour aller sur Daimar. Voilà. Petite explication simple du Desclar. Wow. Nous sommes en train de monter en... En fait, il faut quitter l'atmosphère, sinon il ne veut pas, donc on va quitter l'atmosphère. Tranquillement, histoire de bien monter. Hop là, moi je viens de prendre la miniature là. Je viens de prendre une petite screenshot. Mais En plus, on était à 100 000 la dernière fois quand on a commencé à passer en hyperespace. Là, je suis à 85 000 encore. Ah oui, quand même. Après, c'était pas Daimar sur laquelle on était allé. C'est vrai. C'était sur Yella. Si, on a commencé par Daimar et après... Non, non, non. Qu'est-ce qu'on avait fait? On est allé sur Yella. Non. Oui, après, on y était allé. Mais pour aller sur Daimar. Mais... Oh, je sais pas. Ouais, et moi je devais aller. Oui, on a fait un détour à Daimar. J'étais attendu au-dessus et après on est allé à Layla. Oui. Donc je sais même pas à quoi ressemble Daimar techniquement. Moi, vu que j'étais resté dans l'espace à ce moment-là. C'est vrai. Bon, je pense que je dois être bon en hauteur là. Je sais pas pourquoi je frise dans l'espace. Mais bon. Alors. Oui, mon joli point. Il est ici. À 63 000 km. Est-ce que j'ai réussi à avoir la calibration? Va-t-il y arriver? Exit atmosphère. Toujours pas. Il doit avoir une... C'est vrai que j'essaie de faire un pas à la mano, mais il doit avoir une technique. Va-t-il y arriver? Oh, je vais y arriver, bien sûr. Je regarde juste s'il n'y a pas moyen. Tout va bien? Ouais, non, on va le faire. Ouais, je regardais le plan. Je regardais les plans. Tout va bien? Ouais, this is fine. On arrive bientôt? On arrive bientôt? Pourquoi il y a. Il y a une grosse lumière là. On arrive bientôt? Oui. On arrive. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous éduquer, puisque pour l'instant, Luan n'arrive toujours pas à arriver sur ce truc. Vous pouvez jouer à Star Citizen à la manette, voilà. Ça fait quoi si j'ouvre la soute? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va ouvrir la soute. C'est moi ou le jeu est fluide? Allô? Luan? M'entends-tu? Je suis complètement... Alors, mon PC, il est en train de galérer. J'espère que mon jeu ne va pas se fermer. Oh là là, alors que moi, littéralement... J'ai vu, Luan. Je suis à 50 FPS, Luan. Ouais, franchement... Ah, je regarde une porte. Ah oui, bah, ça explique. Ah, alors j'ai le son, mais l'image, oh, c'est bon, l'image est revenue. T'es sûr que tu veux pas 91 000. Comment? T'es sûr que tu veux pas que je pilote? Oh non, non, en vrai tout va bien, c'est juste qu'il fallait être plus haut et c'est juste un peu chiant. C'est bon, calibration, je suis assez haut. Ok, bah attends, je m'assieds. Bon, au moins 90 000 mètres. Vas-y, c'est bon, tu es assis? Je suis assis. 60%, 70, 80, 90. C'est parti, sensationnel. Ça arrive. Ça arrive fort, évidemment. Ah oui, ça se voit. J'espère que vous en profitez, évidemment, messieurs, dames, de... Obstruer. Oui, mais pourquoi obstruer? Moi, attends, je lance rien quand j'ai un truc obstrué, ça me fait peur. La dernière fois, ça fait bing-boom. tu vois le problème. On est arrivé? Et pourtant, là... Non, non. Ah, yes. Pourquoi il me dit...
On a fait le passage en hyper vitesse là? Non, parce que là cette fois-ci on m'a dit obstrué et je n'aime pas ça. Je fais attention à mon véhicule et à la vie de personne qui m'accompagne. Oh. Il fait attention. Bomber left. The sky has left the channel. Comment ça? T'es toujours là-dedans? Bah oui, je suis toujours dans. Oui, j'entends. J'ai eu une notif un peu bizarre. Sur Star Citizen? Ouais. Bah je t'entends derrière, donc tout va bien. On arrive bientôt, 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 on arrive bientôt. Tu vois la lumière? L'enfant. Ouais, je la vois, je la... Attends, j'ai vraiment quitté le jeu. Ouais, ça se voit, ça se voit. On arrive bientôt, on arrive bientôt, on arrive bientôt. Tu veux savoir un truc, là, ça fait 30 minutes de vidéo déjà. Dis-moi. C'est Star Citizen. Oh putain, c'est vrai, en plus. C'est... j'ai dit ça, j'ai même pas vérifié, et là je viens de vérifier, mais oui, ça fait 30 minutes de vidéo. Et on n'a toujours rien fait. Incroyable. Et... oui, oui, c'est vrai. Luan qui est rentré. Ça passe. C'est le tournant. Oh là là, la connexion, le PC, il y a tout qui l'a fait. C'est le. Non, mais moi. Là, tout est ready. Bon, hormis le gros. Tu m'entends bugger ? Oui, oui. Oh, pourquoi ça... il me fait ça ? C'est pas le moment, hein. Ok. Surtout si tu pilotes. C'est bon, je suis repassé au vert. Et littéralement, il y a du vert partout dans le cockpit. Ouais. Comment tu peux travailler là-dedans, toi? Bah écoute, j'aime bien le vert, j'imagine. Allez. Ah, c'est peut-être. Attends, c'est peut-être parce que j'ai réallumé tes. On n'est pas en. Tes loupiottes. J'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas. Tu vois, là, tu sais, j'ai la calibration qui est bon, j'ai le chargement qui est complet, mais il veut pas. Oh putain. Je sais pas si t'as une solution à ça. Tu veux que je prenne les commandes? Histoire. Ouais. On va essayer. Ouais. Histoire de voir si on n'est pas en chute libre quand on fait ça. Est-ce que je peux au moins quitter le truc? Parce que je sais que c'est Y. Est-ce que je peux quitter le truc safement? Ouais, c'est ce que je fais Y, mais j'ai l'impression qu'il voudra pas. Attends un peu. Voilà. Oh si, ok. Tout va bien, on n'est pas en train de chuter. Je t'observe. Est-ce que je... Ouais, je peux prendre des commandes. Ok. Ouais. C'est parti. Tout à fait. C'est parti mon kéké. Ouais, j'observe tout. Ah, je glisse. Ouais, ça marque ça et ça m'inquiète un peu. Donc je pense qu'il faut augmenter un peu la hauteur. Wouh. Je suis tombé. Dedans, t'inquiète, mais une petite chute. Voilà. Youhou. Alors... obstrué. Exactement. Peut-être qu'il faut monter jusqu'à 10 000 à la limite. Au pire du pire. Ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses. Essayer d'aller sur Yel là. Un petit détour, pourquoi pas? Eh oui. On fait un petit détour comme ça sur Yel là. Comme ça. Plutôt que de galérer. Assis-toi. Hein. Par contre. Oh voilà. Assis-toi. T'inquiète, tu es allongé. T'es allongé. On part. Ouais. Maintenant. Oh putain. Ça frisouille. Ouais, pour moi aussi ça frisouille. Ah c'est bon. On est sur Yel là. Enfin on arrive... Waouh. Hop là. Tu veux que je te relaisse les commandes? Non, continue en vrai. Je les reprendrai plus tard. J'adore. J'ai vraiment une grosse animation de chute parce que j'essaie de me coller à toi
Et tu bouges et bam. Je m'envole dans à l'intérieur. Bon, je vais mettre sur lui, j'ai compris. Pardon. Ouais, allonge-toi, fais quelque chose, parce que là, on est reparti pour Daymar. T'es prêt? Mais c'est parti. Ok, let's go. Je suis prêt. Bon alors, regardons un peu le résumé de tout. Paris, de toute la mission, partie disbanded. Comment ça? Sympa ça. Pourquoi ça? Comme Link Lost. Du coup, t'as plus la mission, toi? Si, si, j'ai la mission actuellement. Est-ce que je vois encore ton pseudo à côté de moi? Bien sûr, je vois ton pseudo. Bon, c'est peut-être pas si important que ça. Nous sommes à 500 km, nous nous rapprochons du package. Hop là. Oh putain! J'arrive comme ça, je regarde. Ah oui, il y a du vent, enfin du vent. Du vent? Non, je me dis bêtement, pourquoi il y a un effet, tu vois, un peu de. Enfin, de vent, de vitesse, tu vois, alors qu'on est techniquement dans l'espace, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air. C'est la science-fiction, Luan. Je sais. Ah, mais du coup, t'es toujours derrière moi? Ah oui. Bon, bah, est-ce que là, je sais pas si c'est nous qui sommes à l'envers. Voilà. Envers ou si c'est. C'est le monde qui est à l'envers. C'était le monde qui était à l'envers, Luan, ne t'en fais pas. Donc nous sommes des hommes droits, ok. En effet. Droit et juste, évidemment. Évidemment. Et on va arriver. 40 minutes pour faire une mission de livraison. Pour juste aller prendre le colis. Le watch time, le watch time. Le watch time, évidemment. Et là, ce qui est fou, c'est que bon, c'est la deuxième vidéo, mais là, on connaît qu'un mini petit système. Là, c'est tout petit, ce qu'on a fait juste deux planètes. Et ça fait, je sais pas, ouais, bientôt 4 heures qu'on joue. Ouais, c'est 4, on a 4 heures de jeu, ouais, quasiment. Et on a quasiment rien fait. C'est ça qui est beau avec ce jeu, c'est que vraiment, en fait, pour jouer à ce jeu, très clairement, il faut avoir. Beaucoup d'heures quoi. Et hop là. On est arrivé. On est arrivé mon cher Luan. Oh, j'ouvre la soute. Je sors moi aussi. Oh c'est joli. Bah pourquoi il y a un monsieur qui est en train de crever là? C'est quoi ce son j'entends? Ah, c'est moi qui est en train de crever. C'est toi qui est en train de crever. Pourquoi tu crèves? Oh putain. Est-ce que j'ai mon casque? Je pense que c'est ça. Hop là. J'en ai fait dans l'espace, ça me semble compliqué. Hop là. Alors j'ai la caisse devant moi. J'arrive pas à comprendre. Ok. Hop là. Le jeu est vraiment bizarre. Là, vraiment dans mon inventaire, il me dit que j'ai pas grand chose. Ouais, c'est pas normal. Et là, vous voyez la partie un peu plus chiante du jeu. Objectif. Presse ou accepte. Qu'est-ce qui se passe? Un objectif, d'accord. Plein de nouveaux objectifs qui arrivent. Hop là. Bon, de ce que je vois, de ce que je comprends, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir mon inventaire avec tout ce que j'ai acheté. Bon, ça va arriver, de toute façon, on connaît le jeu. Mais tout ce que je trouve. Tout, le truc qui est sûr. C'est... Oui. Le truc qui est sûr. En effet. C'est que. C'est que. Je n'ai pas de casque. J'aime bien parce que ça a coupé plusieurs fois. Ouais.
Et bon. J'aurais peut-être dû me garer. Mais ça va, j'observe. Pom 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 pom. C'est loin, mais j'observe. Pom 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 pom. Écoute, vu que je ne peux pas être utile, on dirait pour le moment sur les planètes, je pense que je. Tu pouvais au moins. Je vais faire office de chauffeur de taxi si ça te va. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de bugger beaucoup ou pas là? Je vois que je suis dans le rouge. Ça bug un peu en effet. Ce qui est pas très rassurant. Ah et dès l'instant genre on passe au vert. Ah bah super. Bon pas contre. Ouais non c'est bon. C'est long long ça va t'inquiète ça devrait aller. On a l'habitude de toute façon. Ah oui en effet. Évidemment. Évidemment. Tout naturellement. Est-ce que c'est bon? Bon. Vraiment, hein. Quand je dis que tu pouvais ramener le paquet. Ah oui, bon là je t'ai vu à côté, donc bon, j'ai abandonné l'idée de le ramener. Ah oui, tu prends vraiment ton temps. C'est compliqué d'aller vite. Tiens, tu veux une info, essaie de courir et la molette vers le haut. La molette vers le haut. Alors tu montes. Ah ouais, c'est que maintenant que tu me dis ça. Et ouais. Ouais, j'ai remarqué ça, j'ai envie de dire, à l'épisode précédent, juste avant. Pendant que je galérais. Alors, notre deuxième... alors, devine où nous allons, juste après, bon, c'était écrit. Nous allons à Yella. Oh. Dans une... enfin, ça a le nom d'une sorte de mine un peu bizarre. Est-ce que tu es là? Ouais, est-ce que je peux te passer mon casque maintenant, maintenant que je suis là avec toi? Est-ce que je peux te le passer local, véhicule? Si tu veux. Ah oui, t'en as deux, c'est ça? Ouais, puisque j'ai mon ancien. Ah. Je n'arrive pas à trouver mes affaires. Pourquoi? Aussi, t'as... Moi, vraiment, j'ai aucune affaire là sur moi pour une raison inconnue. Ah, moi aussi. Trop bizarre. En plus, c'est mon vaisseau, je vois pas pourquoi. Peut-être qu'on a un rangement quelque part, je sais absolument pas comment c'est fait. Bon, bah, je sais pas. Est-ce que tu veux conduire ou je conduis? Bon. Oh, c'est une poignée. Est-ce que tu veux conduire ou je conduis? Ouais, je vais conduire. C'est quoi? J'étais vu dans la salle Externale. De bain. Eh ben. Alors, ça me gouille. Mais j'ai compris la question et je veux bien. Ah, je veux bien. Paf. Oula. Je te vois toujours dans la salle de bain. Ça bugouille un peu. C'est ouais. Toi qui bug? Non, enfin, je sais pas. Je vois que c'est vert. Allô? Tu me reçois, mon cher d'esclave? Ah ouais. Mion, 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 mion. Patate. Que penses-tu? Ah ouais, ça bug vraiment à ce point-là. On bug. Oh là là. Alors, on va se mettre le petit tracking. Oui, j'ai entendu le ah hello. Ah ouais. Ça lagouille vraiment. Un track cher, abandon. Non, bon. Mais bon, on va se mettre vers Yella et on verra. Alors, je sais pas du tout si le vaisseau a décollé. Pas encore. Ah, allô. Yella. Patate. Oui. Oui, patate. Patate frite, oui. Oh my god. Mais je vais rester avec toi. Je sais pas si on arrivera à faire plusieurs missions. Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Et on peut là. Les abardis ont rallumé le moteur. Moi je suis derrière toi là. Petite caméra d'ambiance. Ok. Un peu là. Et on est bon. Wow. Montons. Oui, ça peut surprendre. Je suis un peu glissé. J'ai vu l'envers des textures. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Yella. Ah oui, bah... Oui, en effet, il y a une petite obstruction. À part si je tente de faire un petit détour. Pourquoi toi, t'as des... Ouais, on va... Ouais... Oh là là. Oula, waouh. Bonjour. Bonjour. C'est...
C'est... Bonjour, on est proches, hein. Ah, oui, là, vous êtes très 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 proches. Bon, par contre, j'ai un pic là de vitesse. C'est magnifique. 10 000, 11 000, oh, 12 000. J'ai glissé. 13 000, allez, c'est bon. Est-ce qu'on est assez haut? Je pense qu'on est assez haut. Oh. Mais on... donc ça c'est quoi ces yeux là? Eh ben... On va monter encore un peu et on sera bon. Oh là là. Je suis encore tombé. Voilà. Press and hold. Ouais. Wow. Attends. Wow, la vitesse, 20, je suis à 20, 28 000. 29 000. Wow. J'ai appuyé. Et là, en étant tout à fait normal. Waouh. Waouh. Bon, ça devrait aller. Wow. ça doit te border de ton côté. Ah ouais, en effet. Vous mettrez une bonne note sur TripAdvisor. Non. C'est bon, ne se plus obstruer. Alors attends, je vais me coucher parce que vu comment je... Où je vais m'asseoir. Putain, il a pas attendu. Est-ce que vous êtes satisfait de votre course pour le moment? Je ne sais pas. Vas-y, tu sais quoi, je suis un toc, je me lève. Waouh. Get down on your knees now. Ah merde. Non. Wow. Drop off package. Attention, on va se approcher petit à petit. C'est-à-dire. Aïe. Oula. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Il me vise quoi? Il vise quoi le jeu? Wow. Mais attendez deux. Nous allons quelque part. À nous. Oui, il me ramène le jeu là. Ah, il me ramène là. Ouais, mais il me fait peur le jeu. Ok. Est-ce que je peux... Putain, mais c'est le truc du vaisseau, mais moi j'ai pas le truc du vaisseau. Ah! Oui! Bon, nous sommes bientôt arrivés, une vingtaine de kilomètres. Nous allons faire ça à pied. Enfin, à pied, qu'est-ce que je raconte? Sans technologie futuriste qui permet d'aller extrêmement vite. Genre la vitesse de la lumière. Nous sommes dans. J'ai un pistolet avec moi. Je savais pas que j'avais un pistolet par contre. Je sais pas comment tu fais pour être aussi serein quand c'est moi. What? Voici pourquoi. Oh, putain. Oh, tout le stuff. Atterrissage. On peut le récupérer. On peut le récupérer. Oh. Il n'a pas trop apprécié une certaine manipulation. Oh bah. Plus jamais je te laisse les commandes. C'est le volant. Hein. Je te cache pas, je sais pas. Ça en perdant en attitude et il ne voulait pas se relever le PTI. Et j'ai tenté un atterrissage du type. Tu vois les avions et la mer. Et ben c'est ce qui a eu. C'était la tentative. Oh. Et en effet. Oui, bon, pas... Ok. Mais nous allons récupérer le vent. Oh, ça rame. Si, de toute façon, je suis en train de me dire, si je me trompe pas, vu qu'on va récupérer nos stuff, on n'a pas vraiment besoin de racheter quoi que ce soit. Juste faire attention de ne pas rester trop dans l'espace qu'on va retrouver le vaisseau. Ok. C'est vrai que ça rame.
Ah, j'ai quand même une tenue. Oh oui, bah, c'est naturellement. Ouais. Hop là. Tenue blanche de secours. Bon, ben bah, on va sortir de l'hôpital. Si j'arrive à... Tout à fait. Hop là, attention générale. Ok, donc là c'est l'ascenseur. Ça charge si rapidement, voilà. Ah, je suis encore sur une image fixe. J'ai pas une arme sur moi. En fait, douteuse. J'ai pas d'arme. Je voulais bien lui tirer une balle. Pour vous avoir tué. Putain, même une simple mission pour livrer une boîte, on n'y arrive pas. Oh là là. Mais le véhicule, il a fait le tour de la planète automatiquement, j'étais déstabilisé et qui n'était prévu. C'est tout ce qui s'est passé. Bon, le jeu, s'il te plaît. Oh là là. Waouh, ces effets de reflet qu'il y a. Mais vu que c'est pas en ultra, bah c'est moche. Je pense que j'ai redémarré mon jeu, vu les circonstances. Oh. On va y arriver. Non, bien sûr. Et ben... bah, bon, attendant. Je redémarre le jeu, je vais pas perdre trop de temps. Ben, moi je sais pas ce que je vais faire en attendant du coup. Bah de toute façon c'était mon vaisseau, tu veux préparer le tien? Ouais, je vais prendre le mien. Ground floor. Tiens, regarde ton inventaire si le mystérieux problème de l'inventaire ouais, c'est réglé. En fait là j'ai mes trousses de soins sur moi, mais c'est peut-être parce que justement c'est à moi. En général, attends une seconde. Non, c'est pas à moi. Équipe. Comment ça, équipe? Ah, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre comment ça marchait. De quoi? Pour s'équiper des trucs, etc. Mm-hmm. Bah, y a le bouton équipe ou utiliser le truc. Juste ça, c'est quand ça marche normalement. Exactement. Sinon, c'est une autre histoire. En effet. Le débloque, les toilettes, non. Putain, mais j'y suis allé tout à l'heure. J'ai oublié, c'est là. Enfin, tout à l'heure. L'autre jour pour vous. Ok, là, je viens de sortir. Normalement. Normalement. Normalement, ouais. Mais oui, je suis sorti. Hop là. Regardons un petit peu le timer. On est à 53 minutes de vidéo, mon cher Luan. C'est pour ça que le format stream est très adapté, on va dire, pour Star Citizen, c'est que y a toujours, tu vois, des petits retours comme ça qui prennent du temps sur le jeu. Mm-hmm. Il y aura des streams hein, sur Star Citizen, ne vous en faites pas, messieurs dames, mais pour l'instant... Le moment venu. Oh, ok. Oh, okay, je online, enfin offline. En offline. Star Citizen. Ouais. Je t'attends. Je suis sorti du bâtiment, je vais t'attendre. Ok, ben... Je veux bien essayer de te joindre, mais... ouais. Va-t-il? Je peux pas redémarrer le jeu. Ben, je te vois en offline, donc je peux pas rejoindre ton serveur. Ah, je suis en offline, tu dis? Ouais, enfin, je te vois en offline, après... Eh ben, excite-toi venu. C'est pas grave. Je quitte, je retourne au menu et... Voilà.
toute façon, je l'ai connu pour avoir 2-3 petits défauts. Faut bien les voir. Bah oui, bah voilà. Et vu qu'ici on fait jamais de cut parce que. Parce que c'est fun de tout voir. Dis plutôt que t'as la flamme d'esclave. Non, en vrai, c'est pas que j'ai la flemme. C'est comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est que j'aime bien qu'on voie un peu tout ce qui se passe, etc. Aussi les imprévus. Moi, j'aime bien les. Là, sur le jeu, il y en aura. C'est vrai que sur ce jeu, il y en a. Je vais tenter de redémarrer le jeu. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Mais oui, de toute façon, on fait cette petite mission afin de se renchérir un peu. Mais c'est sûr que c'est le pilote. Hein, quoi c'est... Hein. Oh là là. On va y arriver. On attend du alors, jeu. Oui, bah oui, on attend du jeu. Lion vs Mario offline. Ouais, parce que j'ai redémarré le jeu. Faudrait que je rejoigne le Discord de Star Citizen. Ça peut servir. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste une mission de colis. Hein. On va y uniquement. Arriver. Pardon, excusez-moi, toujours un peu malade. Mais d'ailleurs, faudrait qu'on arrive à trouver la planète qui a cette ville là qu'on voit en arrière-plan dans le menu du jeu. C'est vrai. Une planète où je vais avoir 5 FPS, mais hâte de l'avoir en effet. Ah, mais moi aussi, hein, je te rassure. Hein. Tu vas me dire que tu vas passer de 30 à 15. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te vois aussi en offline. Ah, moi je te vois en online. Ah, t'es parti. Ouais. Tu peux m'en. Là tu m'as invité. Je t'ai invité. Ok. En fait, je recevrai quelque chose. Invite tout parti. Invite tout parti. Là, je t'invite depuis tout à l'heure. Ok, bah j'ai absolument rien. Ça marche. Oh putain. Bon, bah, je vais devoir quitter le jeu, j'ai compris. Bon, bah, on va essayer un peu. Quit the game. Deux. Ça veut dire que là, les gens, ils vont voir un écran noir. Bam, c'est chose qui arrive, c'est quoi ça? Hop là, ouais. Vous voyez un écran noir, messieurs, dames. Vous inquiétez pas, le jeu revient. Mais ouais, non, je pense que ça fonctionne, hein, Star Citizen. Ça fonctionne. Ça fonctionne. À sa sauce, mais ça fonctionne. C'est ça. Normalement. Et d'ailleurs, j'ai vu l'information quand on lance le jeu, c'est une alpha quelque chose, early access alpha, je sais pas trop quoi. C'est une alpha, c'est même pas une bêta. Ah oui, non, c'est vraiment un truc expérimental, hein, Star Citizen. Et on arrive bientôt à une heure de record, hein, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, le jeu se lance, hein, évidemment. Donc là, vous voyez, hein, voilà, early access, oh. Alpha. Il menu, ouais, je te vois connecté. Je te join, tu me join, ok. Est-ce que je vais recevoir la notification? Oui, je la reçois. Hop là. Je suis là. On retombe dans. C'est. Horizon. Oh putain, c'est reparti. De quoi c'est reparti? Non, je viens de penser à nos affaires et le fait que. De tout ce bordel de serveur cassé. Je suis inquiet. Mais... Nos affaires. De toute façon, ce sera de ta faute. Hein. C'est le mec, un peu. Le mec ultra relou. Mon stuff.
Loading. C'est vrai, oui, j'ai lu que depuis quelques années, le jeu est de plus en plus... pas dur, mais... faut faire gaffe, quoi. Faut plus trop faire n'importe quoi, sinon... tu prends un peu cher. Enfin, un peu cher, surtout pour les débutants. Oui. Là, vous voyez au moins l'envers du décor. Hein. Ça, sur une vidéo de Wankil ou TDG, jamais vous le verrez. Hein. Oh. Oh là, franchement. Alors qu'ici, sur la fête d'esclaves. De toute façon, moi j'aime bien les vidéos longues. C'est ça. Au moins, c'est pas des choses naturelles de voir des feuilles comme ça. C'est ça. Loading. Moi je cherche toujours pendant que toi t'es tranquille. Ah, c'est toujours en chargement. Ok, oh, ça frise, ça veut dire que c'est bon. Ouais. C'est bon pour moi. Ok, bon, moi ça va pas tarder. Dans ma petite chambre d'hôtel, toi tu dois être dans ta chambre d'hôtel, mais à l'hôpital. Hop là. Moi là, je vais acheter. Oui. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais voir si ça recordait toujours bien. Allô, mon cher Luad. Oui, oui. Ouais, ça recorde bien. Nickel. Ouais. Oula. Ok. Alors, petit problème de texture par ici. Voilà. Ok. Alors où es-tu? Oula. Freeze fort. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Ok. Eh ben, on se rend là. Tu es où toi? À ma chambre aussi. Ouah, ok, j'ai visiblement tout mon inventaire, je pense, et j'ai plein de trucs. Moi j'ai rien. Ouais, j'ai mes armes et tout. Moi je n'ai rien. Et j'ai de la santé en moi. J'ai peut-être juste pas mon armure. Hop là. Ok, je vis. Oh, ok, je commence à comprendre vraiment les touches. Je suis sorti. Ok. Bah moi, ouais, je vais pas le faire là-dedans. Je bug trop. Je vais sortir du bâtiment. Aïe. Qu'est-ce que... Je viens de me faire hyper mal. Comment ça se passe? Je vais juste aller me racheter un petit truc. Je suis en bas. Ok. Je suis. Alors, je suis sorti perso. Ok. Merde. Bon. Faudrait qu'on. Ah, je sais pas si on a la quête à nous. Qu'on a toujours la quête. Je vais voir. Contrat. Accepté. Ah, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Faut on n'a plus la quête. Faut te racheter. Et faut refaire la quête. Let's go. C'est parti. Armure. J'ai quoi? J'ai jamais ça. Je te laisse piloter. Il y a eu des problèmes techniques et j'ai été surpris par vraiment le vaisseau. Tu vois, j'étais en vitesse grand V là et je comprenais pas pourquoi il me dirigeait en dehors de la planète et il a calculé lui-même un détour et j'étais paniqué. Et après, j'étais ma foi bas et en grande vitesse. J'ai tout fait pour un atterrissage à peu près en douceur. Mais c'était un tout petit peu rocheux. Donc l'atterrissage en douceur, hein, ne s'est pas fait en douceur. Et après, tu as vu ce petit flash blanc. Ping. Voici l'histoire. Est-ce que je me rachète cette armure du coup? Ouais, non, je peux me la racheter hein, si c'est pour la reperdre. Ouais, Bonjour toi. T'as pas de combinaison toi?
Non. Enfin non, hein, je ne la trouve pas, donc je pense que... En fait, on perd pas tout son inventaire, on doit perdre son équipement simplement. Mais moi j'avais jamais cette combinaison, si, hein, si tu veux savoir. Moi j'ai jamais eu cette combinaison, hein, donc... En fait, moi je l'ai eu grâce à l'hôpital. Comment ça, grâce à l'hôpital? Ouais, dans l'hôpital. T'as donné ça? J'ai pu avoir ça. Étonnant. Bon, ça part sur... On part sur un rachat au mont. Ouais. Ouais, vas-y. Moi, je vais sélectionner une mission. Mission qui va nous permettre de nous refaire du stuff, au moins, c'est possible. Alors, contract manager. Est-ce qu'on a une petite mission qui nous donnerait de l'argent? De l'argent. Une investigation. Non. Ah, on a une mission pour 6000. On doit récupérer deux trucs. Ok. Est-ce que ça te dit? Ça me dit, ça me va. Eh ben, on y va. Pour 6000 crédits. Je me suis acheté un petit casque et un petit sous-vêtement. Enfin, un sous-vêtement. Ouais, mais non. T'es où? Oui, t'es là. Ah, d'accord. T'es un tout petit peu pour moi. T'as une petite partie sous le sol. Oh, il y a ton arme sur le dos. Oui. C'est sympa. J'ai pas fait gaffe au détail. Bon. C'est par où là? C'est par ici. Je sais pas si t'as fait. Si t'as accepté du coup. Non, j'avais pas vu, désolé. Oh, nice. Bon, je refais cher. Hop là. Accepté. Cher. C'est tout bon. Nice. On y va. On y retourne. On masque le chat. C'est parti. Là, on va au spatioport. Et c'est moi qui pilote cette fois. Je ne veux rien savoir. Je pilote. Pas beaucoup d'FPS, mais c'est beau. Moi ça va, j'en ai quelques-uns. Quelques-uns. Attendez non. J'en ai 9, attendez, j'en ai 12. Tant pis. Le prochain. J'arrive. Qui arrive dans moins de 30 secondes. Comment tu sais ça, toi? Il y a des petits trucs, des petits panneaux. En haut. Voilà. Ah oui, hein, quand je m'investis dans un jeu, moi j'exploite chaque information que j'observe. Ouais, non mais c'est normal. C'est vrai que le jeu il est bien fait par rapport à ça. Et nouvelle navette. Ça me rassure pas le fait que la navette elle bug. Ah, moi, ouais, elle a l'air d'aller, écoute, entre gens qui bug, on s'entend bien. Du coup, on sort à la prochaine sortie et ce sera à gauche, mon cher Luan. Voilà, je te le rappelle. Bien. Crusader est magnifique quand même de nuit. Hein. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on y va à chaque fois de nuit ici. Peut-être qu'il n'y a pas de soleil qui passe. Si, si, il y a un soleil, t'en fais pas. Avec la musique. Oui. Après, je suis en train de me dire, on pourrait... Enfin, on prend chacun un vaisseau et on va faire chacun une livraison. Vu que toi, t'as encore un vaisseau. Pourquoi pas. Je pense plus. Enfin, je peux les réparer, oui. Mais ouais. Mais oui, du coup, on peut... Enfin, on fait chacun une livraison, et voilà, enfin... Si on veut optimiser, oui, on pourrait tenter. On va faire ça, hein. Tu veux faire ça? Oui, on va faire ça. Tentons alors.
Et oui, après ces deux petites livraisons, je vais peut-être personnellement y aller. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, hein, très clairement. Je pense qu'on va arrêter après. Hein. Voilà, c'était juste une petite vidéo, parce que j'avais envie, surtout moi, de refaire une vidéo sur Star Citizen. Et du coup, bah voilà. Tout à fait. Non mais, connard. Putain, j'ai vraiment le dégât derrière, mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu ce que j'ai dans le dos et t'as vu ce que j'ai devant moi? Mm-hmm. J'ai des munitions. De cette arme précise. Donc fais attention. Mm-hmm. Et moi, oh attends, est-ce que j'ai encore mes munitions? Normalement, oui. Ammo, bien sûr. Bon, ça s'ouvre. Ok. On y est pas allé, yes. Parce que t'as tout fait sauf appuyer dans le truc. Et bah tu m'as poussé. Pour moi, t'étais là pour appuyer, tu vois. J'ai pas appuyé derrière. Ton effort pour appuyer sur un bouton. Bien sûr que je le respecte. Oh là là. On va jamais y arriver à faire ces missions. Monsieur. Je sais pas si ça va suffire, moi, par contre, ma petite tenue pour aller dans l'espace, là. Je pense que si. Normalement, c'est le minimum. Et on gare. Alors. Le jeu. Merde. Hop là. Touch the start. Thank you for visiting. En gare 4. Le jeu, bon. S'il te plaît. Ok. Ok, il y a un petit lâchage du jeu, mais c'est revenu. Ah oh non, c'est pas le moment. Ah oui, c'est pas le moment, tout à fait. Moi, je fais la mission tout seul. Hein. Alors, je me suis trompé. Ok. Faut que j'attende 30 secondes pour que ça arrive et que ça soit réparé. Je me suis foiré. J'ai mis docking port 4. Quel idiot. Bon, c'est le hangar 4 que je veux. Regardez un petit peu les textures quand même sur les ascenseurs et tout. Et on est en l'eau. Hein. Je précise, hein, on est en l'eau. Pour ceux qui veulent savoir, on est en l'eau. Voilà mon petit vaisseau. Bon, je ne t'attends pas, mon cher Luan. Tu comprends bien que... Très bien, hangar 5. Ah, tu es à côté. Qui va sortir en premier. Alors, que sont ces deux destinations? Parce que c'est marqué qu'il y en a deux, mais qu'est-ce donc? Ce sont toutes les deux des paquets à aller chercher. D'accord. Hop là. On va dans l'espace. C'est reparti. Oui, en effet. C'est le concept. J'aime bien comment... Juste la seule mort que j'ai eue, c'est même pas moi qui l'ai fait. C'est vrai. La première mort, c'était quoi l'histoire? Oui, il m'a fait foncer dans une planète, mais vraiment, j'ai pas trop compris. C'est juste toi qui te crash, en fait, t'es mort à toi. C'est ça. La deuxième, c'était un crash... peu contrôlé, j'aurais pu faire quelque chose, mais la première, c'était ma foi compliqué. Moi je suis parti. Mais pas moi, je m'envole. Pardon. Alors. Alors. Qui prend quoi comme pick-up package? Je fais ma demande d'autorisation et je suis à toi pour voir où nous allons. En vrai. Les services. Toi t'as pas besoin de faire des demandes à chaque fois? Pour? Genre pour sortir? Oh non.
enfin... Peut-être si, t'appuies sur une touche particulière. Oui, oui, Alt et L. D'accord. Alt et L, d'accord. Alors, il y en a un sur Céline et un sur Yella. Ok, alors... Ah oui, une à 47 000 et une à 77 000. Et ben, comme tu le souhaites. Ben, je vais prendre celle sur... Ben, comme tu veux, moi je m'en fiche. Ok. Alors je vais voir la carte un peu pour savoir laquelle... La plus proche, c'est Céline. C'est Céline la plus proche. Ben, je vais prendre celle sur Yella. Très bien, et ben, je pars sur Céline. Cette phrase. Je n'arrive pas à faire clair route, voilà. Pourquoi je n'arrive pas? Bon, ben tant pis. On va y aller comme ça, à la bonne franquette. Qu'est-ce qu'il veut? Exit l'atmosphère. Oh, d'accord. On va exit l'atmosphère. Exit atmosphère, ouais, aussi. Bon. Ben, on va y arriver. Oui, bien sûr qu'on va y arriver. On va y arriver. Je crois que je viens de te voir passer derrière moi, enfin devant moi. Tout à fait. Enfin, certainement. Ouais. Je crois que c'était bien toi. Bon, 90 000 slash 100 000 et c'est une bonne hauteur. J'en freeze, mais ça devrait aller, je pense. Ah, je te revois passer. Au final, t'as repris ton espèce de petit chasseur. Ouais. Je vais prendre ça, Ok, ok. En tout cas, je suis très content de faire du Star Citizen avec toi. Voilà, si tu veux savoir. Ouais, c'est... C'est ma déclaration d'amour, Luan. Oh, j'accepte, hein, quoi? Oh. J'accepte de refaire d'autres sessions de Star Citizen. Oh. Je me sens privilégié. Et ça jusqu'à la mort, que la mort nous sépare. Hein. Voilà, c'est... Oui, quand même. Alors, parce que la période gratuite s'arrête surtout. Exactement. Faut buter. Alors, j'ai pas la tête à l'endroit. Alors non, c'est pas ce point que je veux, c'est l'autre. Je suis toujours pas dans l'atmosphère. Enfin, hors atmosphère. Je suis bon. Donc je pars sur celle à Saint-Wesseline, 50 000 à peu près, 46 000. Hydrogen fuel, 50%. Comment ça, le fuel d'hydrogène est à 50%? Je crois que je suis dans la merde. Merde. C'est vrai que bon, on peut essayer parfois d'aller à deux comme ça, mais il y a aussi moyen de se diviser, d'y aller seul. Et on parle tranquillement. Alors, bonjour petite planète. Quel est ce point là? Ouais, mais à 500 km. Oh, je freeze. Alors, où dois-je aller sur Céline exactement? Hop là, voilà, sur Yella. Ah ouais, un petit détour s'impose. Ouais, le petit point qu'on m'avait proposé. Tout se passe bien. Ok. Merde. Ok. Je vais me mettre
troisième personne, histoire de voir au moins le sol. Voilà. Mais c'est bien ce que je me dis, il veut que je fonce au plein milieu de la planète. Heureusement que je vérifie dans le doute. J'arrive pas trop à sélectionner certains endroits, les routes. Alors. Ah, c'est peut-être ça en fait. Ah, il y avait un début d'idée intelligente, contourner. C'est intelligent, okay. Ça. Je vois le sol. Fais donc attention. Attends, là où je vais. Je ralentis. Et j'évite de foncer sur le sol comme un Duan. Ce n'est pas le sol qui fonce. Non, c'est pas moi qui fonce vers le sol, c'est le sol qui fonce vers moi. Voilà, c'est le sol qui m'attire à lui. Quoi, ça s'appelle la gravité? Comment ça, la gravité quoi? Ah, je connais pas ça. La gravité est trop forte. Hein. Il veut que je fasse un. Ah! Oula! Oh, bah ça va! Mon vaisseau il a pris un peu cher, mais j'arrive pas à y croire, j'ai survécu. Genre j'ai foncé pleine vitesse. Pourquoi quand c'est moi ça passe pas et quand c'est toi t'y arrives? Je sais pas. J'arrive pas à faire mon détour, hein. Enfin, j'essaie de sélectionner un... Au pire non, j'ai une idée. Pourquoi le sélectionner quand je peux le faire à la mano? Hop là. Y a pas un truc qui me permet de contourner les géorestrictions? Si, grâce à NordVPN. D'accord. Je m'attendais pas à ça. Alors, oh putain. Oh, il me reste pas beaucoup de temps de survie estimée. Non. Pourquoi ton casque il est pas suffisant? On dirait que ma combinaison n'est pas suffisante, surtout. Non, mince. Il est en mode oh no! Anyway. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Pas des petits trucs. Pourquoi à prendre? Pourquoi il veut pas se mettre en. L'objectif des packages, c'est l'objectif en question? Non? Hop là. Allez. Ok. Donc là, j'ai envie de contourner. Ah, et on va arriver ici. Mais. What? Oh putain, mon vaisseau il est bugué. Oula. Non, 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 non. Non, 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 reprends-le. Mais tu le poses. Place. Place. Voilà. Ah, là il me fait le détour. Hein. Oh là là. Je comprends vraiment pas ma première mort. Hein. What? Parfois il me fait un détour automatique, parfois je fonce dans la planète. Oh no. Par contre, mon vaisseau, il doit être réparé, il doit avoir du fuel, parce que là vraiment... Ok, je viens de remarquer un détail, ma foi, intéressant, j'ai envie de dire. J'arrive d'un côté d'une planète de nuit. On voit rien. Oh là là, par contre, moi c'est la merde, mon vaisseau, là. C'était pas M pour refermer la trappe? Non. B? Non. Pardon. V? Non. Je ne sais plus. Drop off, pick up package. Ok, je me rapproche petit à petit. Ok, où est-ce que je dois drop off le pick up package? Euh...
Ok, alors, ça m'a l'air extrêmement montagneux, cette zone. Je vais faire extrêmement gaffe, du coup. Ah, mais je dois aller là où tu es pour drop-off mon pick-up package. D'accord. Tout close. J'ai trop peur, y a un... ça me clignote le lieu et ça me dit tout close, tout close. Oh putain. Bon, faut que je quitte cette planète, que je ferme ma soute parce que je l'ai pas fermée. La alors, boîte elle tient, je sais pas comment. Je dois aller juste en dessous de moi, sur une montagne. Pourquoi j'ai le mode difficile? Moi je vais devoir y aller après. Hop là. T'es déjà 21h15. Eh oui. Tiens, je vais essayer de tirer un petit peu avec mon fusil. Waouh. Hop là. Fermez la porte, du coup. Merde. Ok. C'est je me compliqué. Trompe de touche à chaque fois. Voilà. C'est compliqué. Et doucement. Doucement, doucement, doucement. Hop là. Ok. Ouais, là, comme vous pouvez le voir, dans mon petit écran en bas à gauche, c'est marqué que le nez de mon vaisseau est dans le rouge. Calibration. Drive, System Online. Ok. Je suis en train de me dire, c'est bien, c'est la nuit, mais moi, comment je vois pour me déplacer dehors? Ok, c'est... On voit quand même quelque chose à pied. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Je suis dans une sorte de lune, et c'est très joli de nuit. Moi j'arrive. Ok. Mon pauvre vaisseau, il prend tellement tarif par contre. Faudra que je le répare ou que je fasse quelque chose hein, parce que... Ok. Oh non, ne dis pas que... Ah bah non, je suis pas au même... Ah bah si. Je suis bête. C'est pas le même endroit. Oh. Là t'es à mon objectif. Ouais. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre la différence entre les deux points. Ah non, ça m'a ajouté ton point, mais sur mon truc. Bon, j'ai deux. C'est loin, c'est quoi? C'est à 200. Je vais faire gaffe, ça devrait aller. Écoute, si tu veux, on peut parler à l'endroit de ton objectif. T'es où là? J'arrive. Ok. Est-ce que je redécolle ou je t'attends? Bah, si tu veux, tu peux redécoller. Oh wow. Je suis en train de me dire que j'aurais pu prendre ton objectif. Ah bah non, c'est de l'autre côté de la planète. Enfin, de la Lune. Tout le 200 km. Ok. Hop là. Ouais, la lumière, on voit rien. Voilà. Bah tu vas vite voir que c'est très sombre. Je vois ça. Ouais, c'est un peu galère, mais ça passe. Alors, où est... package, là. Ah oui, en effet, on voit rien. Ouais. Alors là, faut que je fasse attention. Je vais pas refaire la même connerie que tout à l'heure. Ok. Voilà, je vous safe. Ah, on va pas se brûler les ailes, hein. On va éviter de foncer quand on va teubber sur le truc. Ça, on va 28 mètres par seconde, on a le temps. Alors, où est cet autre point? Ah oui, t'es là, toi. Moi, je suis quelque part en train de voler.
ça devrait aller. Waouh. En vrai, si tu as un petit cheat code, vu qu'on voit pas grand chose, tu te mets en vue troisième personne, tu vois un peu mieux. C'est ce que je fais, oui. Ouais, parce que c'est un coup à crever. C'est moi qui dis ça. J'avoue que là, c'est un peu un CSC, comme disent les Jones. Oula. Oula, 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 oula. Vas-y, à plat. Ouais, non, en fait, c'est loin, 200 km. Hop là. Ok. Là, oh, c'est trop bien. Je suis en train de contourner la planète, mais un peu manuellement. Je prends pas de les gros TP, enfin TP. Toi, tu veux éviter de remourir? Ouais, bon, faut aussi un peu, mais... Hop là. Je trouve ça, avec la musique et tout, c'est incroyable. Children of the Sky. Oh mais quel idiot. Oh là là, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. Je suis allé déposer mon colis, sans le colis. Mais où avais-je la tête? C'est vrai que c'est pas fou. C'est un peu con, hein. En effet. C'est un peu con. Où avais-je la tête? Et du coup, pour le drop-off... Où est-ce qu'on drop-off? Je suis vraiment en train de contourner la planète, ça me fait marrer. Et de 1. Ok. Je referme ma soute. Il dit je referme ma soute. Hop. Ah, c'est long de le faire manuellement 200 km. Bon, petit plaisir personnel là, ça. Tu pourras couper si t'as envie ou non. Ah, petit à petit, je suis en train d'arriver à la partie éclairée de cette lune. Ok. Alors. Hop là. Moi, j'ai redécollé, perso. J'ai posé mon petit truc. Très bien, très bien. Et ben, je m'occupe du second, ça. Oula. Oula. J'avais le retour de l'écran noir rouge un peu bizarre. Ah. C'est passé très rapidement. Ok. Toi, tu ne fais pas le père espace, moi je le fais. Oh, si tu veux. Oula, je suis un peu bas. Je vais peut-être faire attention. Dernier arrivé est une petite bite. Comment ça? Ah ouais, je te vois là. Ah, c'est fou, t'as été rapide pour faire le tour. T'as vu ça? C'est fou, moi, il me reste une cinquantaine de kilomètres. Je vais peut-être décélérer un petit peu. Moi aussi, je suis fou là. Je vais peut-être même prendre de la hauteur un peu afin de pouvoir gérer l'atterrissage. Et tu sais où il faut ramener ce petit colis après? Non. Mais ben on va bien voir.
T'es dans le cockpit, je me sens un peu proche, je vois du sol, mais ça va, mais quand je fais F5, là, je vois la dangerosité de ce que je fais. C'est... J'avais peur. Ok, on ralentit. Là, on a vu troisième personne. Ouh, j'étais pas si loin du sol, quand même. Tu vas voir un gros bouin arriver. Hello. Ok, où est l'entrée? Histoire de gagner un maximum de temps. Elle est là. Je suis arrivé. J'étais arrivé avant moi avec mon petit détour. Au moins, j'ai vu le soleil se lever. C'était très joli. J'ai eu le temps d'en faire un. Merde, je suis en mode de vue troisième personne du coup. Hop là. Oh putain, je viens de remarquer un truc un peu débile. Bon, faisons comme si. C'est trop beau. Tu veux que je prenne le colis? Non, je t'attends. Je t'attends. Et tu le prends devant moi. Oh putain, je vais rester dans le bâtiment. Je sais pas, l'habitude. Comme ça. Mais on... Non mais je me sens plus à l'aise avec celui-là, tu vois. Moi je t'attends dans le sas. Ok. Je descends petit à petit. Je suis presque au sol. Me voilà atterri. Merci. Il m'a dit que c'était coupite. J'arrive, mon cher d'esclave. Afin que tu voles mon colis devant mes yeux. Est-ce que je peux sortir, s'il te plaît, le jeu? Non. D'accord. Il est là. Tirez. Quoi? Moi, je vais rentrer dans le bâtiment parce que, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de temps de survie là. Oula. Ouais. S'il te plaît, le jeu, peux-tu me laisser sortir? Ce serait gentil. Attends, je vais rallumer le truc au pire. Tu es trop haut? Non. Ça donne l'occasion de sortir. Un petit problème de sortie. Même sortir de son vaisseau, il n'y arrive pas. Mais putain! Il faut que je t'emmène le carton ou quoi? Oh putain! Ah bah tiens, un petit pompon. Tu veux que je te tire dessus? Ah, c'est que maintenant que tu reçois les tirs. Oh putain. Enfin bref, c'était pas ce qui était prévu. Je vais t'emmener ton paquet là. Je vais te l'amener à toi. Ah ouais, carrément. Ah oui, non, parce que là, tu me fais pitié avec ta connexion. Ah, c'est. On peut sortir par là? C'est pas du tout une sortie. Ah, le bouton a enfin marché. Elle est belle cette lune. Waouh. Hop là. Ah, t'es sorti? Ouais. Alors. J'arrive pas à comprendre comment marche le système d'inventaire. Genre là, tu vois, j'ai plus rien. Moi, je crois avoir compris, mais je suis pas sûr. Tiens. Un peu là. Ça ne marche pas. Yes. Sérieux, l'estimate? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tiens. À toi. Merci.
Moi, je rentre dans mon vaisseau et je rentre à ma maison. On va y arriver. 1h40 de vidéo quand même. Bien sûr. Bah, c'est avec un petit juste temps, mais en vrai, quand même. En vrai, c'est deux cartons, mais si on aurait réussi directement, ça aurait pris un bon 45 minutes en vrai. Oui. Peut-être 30 minutes, mais quand même. Si on s'était pas craché, ouais, on aurait déjà fini la vidéo, quoi. Bon, ça, faut pas parler d'évidence, mais. Moi, je décolle. Très bien. Pourquoi on dirait une TNT de Minecraft, mon colis ? Un kit de soins. Pardon. Le jeu. Hop là. Moi, je m'en vais dans l'espace. Et je vais... Vas-y, envole-toi. Tu sais où est ma prochaine destination avant que je regarde ? Ouais, là où j'étais avant. Oh, attends. Quoique. 193 km. Attends, je vais regarder. Cette route. Ah, je sais pas. Mais c'est sur la planète en fait. D'accord. C'est sur Céline, en tout cas. C'est à Julep Revin Head Shelters. Moi j'y vais. Ok. Est-ce que je vais citer un bug en faisant ça ou ça va le poser ? Ah non, ils sont pas bêtes. J'aime bien comment les vidéos de Star Citizen, c'est littéralement les vidéos les plus longues de ma chaîne. Écoute, c'est quelque chose qui arrive. Je peux sortir le jeu, s'il te plaît. Hop là. Je me faisais une petite frayeur. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Je vous faisais une petite frayeur. Oula. Hop là. On remet ça comme ça. Ah non, ah non. Ah, t'es soigné ? Eh ben dis donc, on est malade ? Non, c'est pas vrai. J'arrive pas à vrai. Vraiment, c'est le bouton pour sortir de son truc. Y, là, il marche vraiment une fois sur deux. Même plus, attends, enfin, même plus, même moins plutôt. Là, c'est vraiment, c'est très chiant. Ouais. Allez. Surtout que moi, ça a l'air chelou pour mettre ma boîte. Donc, j'essaie ma technique, mais ça marche pas tout le temps. J'arrive au Dropbox Package, je sais pas si t'arrives bientôt toi. Ouais ben écoute, faut déjà que je mette le package. Je m'amuse peut-être un petit peu trop là, on va ralentir. Waouh. Le jeu a pété un câble, mais vraiment je... Je bougeais tout seul, j'étais possédé.
Ok. Ah, là. Et je suis arrivé. Ok. Moi, j'essaie de régler mon... mon truc. Parce que je ne voudrais pas, donc... je vais faire comme ça. C'est pas ce que je voulais faire, ça. Hop là. Où est-ce que tu es? Tu es toujours à 193 km. On dirait que tu n'y arrives pas, Luan. Je vais y arriver, j'ai réussi à régler ce problème numéro 1. Le second, c'est de réussir à utiliser ça convenablement. Les musiques, ça me fait penser à des... Je sais pas, des petits jeux d'horreur. Tu vas me dire que, comment ça, un petit jeu d'horreur? Ah, en vrai, non, je vais pas te dire ça, je vais te dire quel jeu d'horreur. Alien Isolation. Peut-être pas comme ça, mais tu vois, c'est là, par exemple, j'ai une musique extrêmement calme. Ça me fait penser les petits moments de contemplation dans le jeu d'horreur avant que ça parte en couille, littéralement. D'ailleurs, toi, dans les jeux d'horreur, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Est-ce que c'est moi, le fait vraiment... d'être... Est-ce que c'est genre les screamers de base, etc. Ou c'est juste le fait de te dire, putain, je suis seul? Moi, globalement... Ouais, non, vas-y. Ok. Les screamers, bon, ça surprend, ça fait pas vraiment peur, en vrai. Je pense que la mécanique qui me fait le plus peur, on va dire... C'est être poursuivi, tout simplement être poursuivi, oui. Et surtout quand c'est scénarisé poursuivi, bon ça va. Mais quand, genre, je sais pas, il te met une sorte de labyrinthe et que t'es poursuivi par quelque chose, là par contre, tu vois, tu flippes quoi. Et c'est peut-être une des mécaniques que j'ai plus horreur littéralement, mais qui me fait plus effet. D'accord. Moi, ce qui pourrait me faire le plus peur dans un jeu. Mais ce serait littéralement de... En fait, ce serait de l'horreur psychologique. Je vois. Pas genre des screamers ou quoi que ce soit. En fait, pour moi, juste te dire... Oh là là, putain. En fait, c'est... Un petit peu comme du saut, mais ça, c'est juste gore pour être nul. Mais genre, l'horreur psychologique dans le sens où... Ça te torture pas, toi, dans le sens où ah là là, y a un monstre qui te suit, etc. Ça te torture l'esprit. Genre, faire face à des dilemmes. Faire face à ce genre de truc. Moi, ça me... C'est pas que ça me fait peur ou quoi, c'est juste que ça me... C'est ça qui me titille le plus dans les trucs. D'accord. Je viens de trouver une solution par rapport à mon problème, tu vois, que j'arrivais pas à mettre de package dans mon vaisseau. La solution, c'est quoi? C'est tout simplement de laisser le stockage à moitié ouvert. T'inquiète pas, il va pas s'envoler, c'est une boîte dans une boîte, et les deux boîtes sont accrochées. Je sais pas si tu vois, mais t'inquiète, je suis confiant. Confiant, moi, perso. J'aurais peut-être du coup... bien voir. En fait. C'est ça. Mais non, t'inquiète pas, sois confiant. Je ne suis pas confiant. Ah, bon, bah, n'ayez pas confiance, on fait quoi? On fait feur, mec, on fait... Waouh, t'étais devenu un Jones? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si tu savais, je suis devenu un Jones. Non, mais c'est la fatigue, écoute, moi je suis malade, je suis censé me réveiller demain matin, voilà. Moi aussi. Ça fait 1h49 qu'on est en vidéo, et le temps que tu arrives, ça fera 2h. Ouais. Je travaille. Non, ça fera pas 2 heures que tu viendras. Non, ça va aller. Normalement, hein. Bon, c'est un peu la flemme de faire le contour de la planète cette fois-ci. Oui, donc, je suis pitié. Pitié. Toi, t'as réussi à la contourner, la planète. Non. Mais moi, ça. Comment ça? Comment t'as fait? Quel est ton secret? T'es arrivé d'un côté et puf, peu de chance. Ouais, j'ai fait le wrap.
Ah, en fait, je viens de comprendre pour le channel Drake Cutter ou quoi que ce soit. En fait, c'est par rapport au stockage. Tout simplement, à l'inventaire. D'accord. Tout simplement. Alors, ça, c'est... C'est où est-ce que t'es là, toi? T'as avec les trois pseudos mélangés, je pense que je vois un desk là au cachet, oui. Vraiment, il faut que je joue à Star Citizen, mais avec la musique Into Imagine Dragon. Ouais, en effet, t'es sûr. Là, t'es vraiment au point d'arrivée, on est d'accord? Ah oui, oui, oui. J'essaie là, si j'avais la casse, en fait, la mission serait déjà terminée. Oh, oui, enfin... Pardon. Je vous prie de m'excuser, messieurs, dames. Bon, bah au moins, ça fera 2 heures de vidéo. C'est ça, tu m'en remercieras plus tard, hein. Le watch time, toutes ces personnes qui ne vont jamais regarder cette vidéo, ça va être incroyable. J'essaie de comprendre comment on fait les détours, hein, parce que c'est vite compliqué. Bon, je vais laisser tomber pour faire comprendre ça. Je vais faire un détour, et comment je peux faire un détour, hein? Par où je peux faire un détour? Tac tac tac. Ok, l'esclave. Tu vois, je pense que t'as dû remarquer, tu peux faire un détour un peu près automatiquement grâce au truc quand tu. Mais le truc, c'est que ma première mort, c'est vraiment parce que le jeu il a pas compris. Il s'est dit, tiens, je vais foncer tout droit. Et j'ai foncé vers la planète. Selon toi, comment ça va se passer? Pitié. Bon, la calibration il veut pas trop, donc je vais monter un peu. Ok. Voilà. Si seulement il y avait un mode photo dans le jeu. Pas faux. Je veux dire, si Fallout 76 ont réussi à le faire avec le Creation Engine. Et Starfield, du coup. Je pense que Star Citizen peut le faire. D'ailleurs, du coup, tu veux savoir si je préfère Star Citizen ou Starfield? Je sais pas si t'as déjà un avis là, vas-y. Eh ben, Star Citizen. C'est vrai? Non. Bizarrement, je suis... Ah. Évidemment que je préfère Starfield, voyons. Oh merde, il m'a eu. Quelle question. C'était une question piège. Petit à petit, tu vois, quand t'auras un peu joué. Oula, par contre, là, c'est pas que je suis inquiet, mais je descends un peu trop en altitude. En fait, pour moi, Star Citizen n'a pas l'âme d'un jeu Bethesda. Oui, c'est sûr. On n'aura jamais les modes d'un jeu Bethesda. Donc, ouais, il a du mal le bestiau là, il se passe quoi? Il a du mal le bestiau? Ah non, mais je te jure là, il est trop bizarre. J'arrive, il me reste une centaine de kilomètres. Oh putain, il fait vraiment ça à pied. Enfin, au final, je suis monté tellement haut que c'est quasiment en chute libre le truc. T'inquiète pas, je maîtrise la chute libre. Oh putain. Mais il réagit. 98 kilomètres. Oh, c'est bon! Non, en fait, tu déconnais pas quand je disais que t'arriverais jusqu'à 2 heures. Moi, je voulais juste rigoler, en fait. Je voulais pas être sérieux. Ah non, ça arrive vite. Quand même. Mais oui. Je sais pas trop ce qui se passe, mais oui. Je frise beaucoup là, je sais pas trop pourquoi. Genre vraiment, je sais pas, je trouve que je frise beaucoup trop par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir dans l'espace. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir dans l'espace. Mais oui. Toi aussi, tu frises beaucoup dans l'espace? Non. Bon. Mais voilà. D'ailleurs, la vidéo, tu sais quand elle sortira? Celle-là? Oui. La semaine prochaine, donc pour vous, du coup, ça va être
à la date où elle est sortie, évidemment. Je sais pas du tout. Très bien. Je ne sais pas du tout. J'ai la première vidéo sur Star Citizen, je ne sais pas quand elle sortira. Alors la deuxième... Ok, je suis haut et quasiment arrivé, donc je vais faire attention pour l'atterrissage. Et de toute façon, si j'explose, tu prends juste ce qui t'intéresse et fin de mission. C'est ça. Donc je suis le seul fautif, si... Enfin, le seul fautif. Il ne se passera rien. Est-ce que je peux te voir depuis mon cockpit? Certainement. Je vois un truc tomber et je vois ton pseudo un peu plus loin. J'aime bien parce que le package, en fait, est beaucoup plus loin que toi. C'est beau. Mon screenshot est magnifique. Tu le vois où, le package? Je le vois à 3000 mètres. Et toi, je te vois à 1700 mètres. Nion. T'as pas drop le package sans faire exprès? On va bien voir. Vu comment c'est tombé, je dirais que non. Oh putain. Doucement. Oh putain. Mais je crois que si, t'as drop le package en fait. On va voir. Ça. Ma boîte est toujours fermée de ce que je vois, donc ça devrait aller. Mais vu le jeu et vu sa réputation, on est prêt à. On peut s'attendre à tout. Je suis encore un peu loin, je vais peut-être avancer un chouïa. Oh putain! Un chouïa, j'ai dit! Beaucoup trop, je sais pas trop pourquoi. Ouais, t'as fait tomber le package, moi je le vois. Il bouge plus, package. Et bah le jeu il me fait... Attends, on va voir. Wow, accélère pas mon gros. Ok, F4. Je veux sortir d'ici. S'il vous plaît. Ah oui, je le vois. Package. Tu le vois loin? Non. Enfin, pour toi, oui, un peu loin. Mais pour moi, il est juste à côté. Du coup, je le récupère. Tu l'as fait tomber. C'est bien ce que je pensais. T'es où là? T'es derrière moi? Je te vois même pas derrière moi. Je suis très loin. Enfin, je suis à... 3000 mètres. Carrie. Ouais, elle est bien là. Alors, ne touche pas parce que moi, ma boîte est toujours dans la mienne. Je te confirme, je l'ai en face de moi. Elle est dedans. Alors, donc, c'est très chelou. C'est très chelou. Alors, je l'ai dans les mains, qu'est-ce que je fais? Attends. Parce que je peux aussi... Est-ce que le qu'est-ce que le jeu va choisir? Attends, si je la pose... Ah ben non, ça me dit Carrie. Moi aussi. Oh non. Oh non. Oh non, Luan. On a fait bugger le jeu. C'est pas le moment. Oui. Oh non. Je ne peux. Au pire, si je la déplace. Mais ouais, non, mon package, oui. Il est là. Okay. Mais par contre, je peux en effet pas le carry. Je sais pas toi, de ton côté, ton package V2. Ah bah, moi, il est retombé. Je peux rien en faire. On va faire un test. Je suis le. Le package. Ah non, maintenant c'est le jeu. C'est. Chelou. Oui. Je freeze. Oh, ça va vite! Oh, ça va vite! Oh! Ça, c'est du gros ouvrier. Ah non, le jeu, pas maintenant, pas ça. C'est pas le moment, le jeu. Ah bah franchement, bah le truc c'est que vu que t'as essayé de le porter de ton côté et de mon côté aussi, je pense que t'aurais dû me laisser porter le de mon côté en premier. Comment je Parce que là je peux rien y faire.
C'est vrai, mais bon, je c'est... Je pas le savoir. Voyons. What the fuck, mais où il va? Il se prend pour qui, lui? Ok, il part tout seul. Tiens, tu peux essayer de... Tu le vois ou pas, celui qui est devant? Tu viens de me tirer dessus ou... J'ai des dégâts. D'accord. Tu vois quelque chose ou pas devant moi, là? Je le vois. Est-ce que tu peux essayer de le prendre? Je vais essayer, j'arrive. On va y arriver, messieurs dames, on va y arriver. Tout à fait. La vidéo va bientôt s'arrêter. Star Citizen, c'est vraiment un jeu à destruction de vie sociale. Je pensais jouer rapidement, là ça fait 2 heures pour une mission. Oui. Toi aussi, ça. Je ne peux pas le carrer. Je ne peux pas le carrer. C'est. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peut-être une idée. Vas-y. Il a disparu? Non. Non, il est revenu à sa place initiale. Tu vas tirer jusqu'à là-bas? C'est loin. Mais on va pas y arriver en fait, parce qu'on va même pas réussir à le porter. Ouais. Donc en vrai, c'est mort hein, pour cette mission aussi. Putain! Jeu de merde qui marche pas! Même Bethesda, ils font mieux leur jeu avec 10 fois moins de thunes. Ah là là. Bon. Et bah c'est foutu. En vrai, je propose qu'on s'arrête là. Ouais. Sur ce package qui ne pourra jamais rentrer à sa place. Pardon. Tels étaient les mots de Lion vs Mario pour cette fin de vidéo. Merci à vous en tout cas d'avoir visionné ce massacre encore une fois sur Star Citizen. Comme vous pouvez le voir, c'est le jeu le mieux optimisé de la Terre, hein, n'est-ce pas, Lion? Évidemment. N'oublions pas je bug, ça frise pas mal. N'oublions pas que tu as détesté Starfield. Waouh. Voilà. D'accord. Merci à vous en tout cas d'avoir été fidèle à la chaîne, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour notre prochaine vidéo. C'était Desclaus, c'était Luan. Des bisous mon cher Luan. Ciao. Ciao tout le monde.